Alors, pourquoi avoir pensé à rédiger une loi contre le sexisme en 2014 Parce que je, je m'étais rendu compte que, autant nous avions, c'est vrai, un dispositif législatif contre les discriminations, autant nous avions aussi des dispositifs pénaux contre les injures, etc. Mais il n'y avait rien, il y avait un vrai vide juridique par rapport au comportement inacceptable qui visait dans l'espace public à considérer que la femme. Ou l'homme selon son sexe, mais enfin fondamentalement on visait évidemment la problématique à l'égard des femmes, euh, que l'on considérait cette femme comme inférieure en raison de son sexe, comme réduite au fond à être un objet sexuel, et qu'au fond ce type de comportement dans ces conditions-là, pour ces raisons-là, n'était pas euh, visé euh, par une loi pénale ou par un dispositif législatif. Alors c'est vrai que ça n'a pas été du tout un parcours facile ou un long fleuve tranquille. Parce que autant il me semblait que c'était indispensable, comme on avait évidemment une législation contre le racisme, de pouvoir aussi avoir une législation contre euh, le sexisme. Mais en fait, apparemment à l'époque, et pourtant ça fait euh, hein, juste, juste six ans, bah à l'époque c'était absolument pas euh, quelque chose que les personnes ont compris dans un premier temps, même au Parlement, même au niveau judiciaire, même dans les différents experts. Euh, qui avait été consulté, il y avait encore énormément de réticence parce qu'on considérait qu'au fond on inventait un concept qui n'avait peut-être pas beaucoup de, de raison raisons d'être alors qu'en fait les femmes le savent et le connaissent et le vivent depuis qu'elles sont toutes petites au fond les actes sexistes sans qu'on on ait mis un nom dessus. Et puis bon voilà, il a fallu convaincre, il a fallu surtout euh, travailler vraiment juridiquement euh, les définitions pour être sûr que l'on visait bien un type de comportement qui n'était pas prévu par euh, voilà une autre disposition pénale, que la, la définition était suffisamment rigoureuse, tant en ce qui concerne l'intention euh, euh, dolleuse que euh, les conséquences, notamment l'absence de ou en tout cas une atteinte à la dignité. Donc on a beaucoup travaillé, et d'ailleurs on n'a jamais eu de remarques du Conseil d'État euh, sur cette proposition de loi et euh, elle a été votée juste un tout petit peu avant les élections de 2014. Donc ça a été mon dernier acte de la législature fédérale, comme ministre à l'époque de, de l'égalité des chances. Euh, et puis, euh, on a un peu oublié cette loi, hélas, moi je ne les ai plus au gouvernement. Euh, c'est une ministre NVA qui a eu l'égalité des chances après moi, et qui n'a pas considéré du tout qu'il fallait la faire connaître, qu'elle était indispensable, et donc c'est un... Un acte législatif qui est resté un peu peu connu, parce qu'il n'y a pas eu les campagnes d'information comme je souhaitais le faire, et comme je l'aurais fait si j'étais resté ministre à l'époque. Et puis, euh, il s'est repassé, en fait, quelques années plus tard, trois, quatre ans plus tard, euh, ce reportage sur euh, le harcèlement de rue, et tout d'un coup, bah, une reprise en main par les femmes, par les femmes politiques, au niveau de l'agenda politique, de toute la problématique du harcèlement à l'égard des femmes, des jeunes filles, euh, du harcèlement de rue, etc. Puis s'en est suivi évidemment tout le mouvement MeToo, et puis maintenant on a un autre type de féminisme euh, qui a un peu repris le, le, le flambeau. Euh, et puis on a reparlé de cette loi, euh, et on est allé voir s'il y avait déjà eu beaucoup de beaucoup de juges qui l'avaient appliquée, on s'est rendu compte qu'elle était restée un tout petit peu dans les tiroirs. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec les discussions et une nouvelle médiatisation, j'espère qu'elle sera beaucoup plus appliquée. Et en tout cas, maintenant, il n'y a plus un homme, il n'y a plus un expert, il n'y a plus, je pense, dans la magistrature ou au Parlement, une personne pour venir dire qu'il n'y avait pas de raison d'être. Donc cette loi a été un peu une loi visionnaire à un moment où personne n'y croyait vraiment. Et puis moi bon, j'ai été ravie de voir que en France euh, la, la, la ministre française du droit des femmes euh, Madame Scappia a repris euh, ce projet de loi en fait euh, et cette idée de de, de de condamner le sexisme dans une loi pénale et donc la France a suivi et puis euh, je sais qu'il y a maintenant des discussions qui se passent dans d'autres dans parlements donc pour une fois euh, on a fait un peu euh, œuvre de pionnier au niveau de la Belgique et je m'en réjouis. Et, euh, et je suis heureuse de constater que bon, voilà euh, les faits le temps l'évolution des mentalités euh, nous donnent raison euh, par rapport à un combat qui est plus que jamais indispensable euh, où l'on dit tout simplement qu'une femme elle mérite le respect qu'elle est légale d'un homme qu'elle ne peut jamais être euh, réduite à être un objet sexuel qu'on touche euh, qu'on juge inférieur, dans laquelle on peut ne pas avoir confiance par rapport à un type de profession ou à un type de fonction. Et quand on entend rien qu'encore ce qui s'est passé dans les débats de la campagne américaine en 2020, en termes de machisme et de représentation des femmes, on se dit qu'il y a encore vraiment du boulot. Et nous sommes, soi-disant, dans une des plus grandes démocraties du monde. Donc je crois qu'il y a énormément de travail encore à faire et de sensibilisation. en fait, le, la, la première difficulté pour les, les, les femmes, les jeunes filles, c'est d'abord de réaliser que ce qu'on a toujours considéré comme normal ne l'est pas et que euh, les attitudes que l'on a, euh, presque de culpabilisation parce qu'on a une petite robe et qu'on n'est pas dans le bon quartier, etc., euh, ce ne sont pas des attitudes normales. et au fond, la, la première difficulté, et, et je me la suis appliquée à moi-même aussi, puisque à un moment je me suis même rendu compte qu'il y avait des tas de choses que, intuitivement, on avait considéré comme presque normal, euh, qui et qu en fait c'était complètement inacceptable. Moi, je me souviens euh, de campagnes électorales où je disais moi-même à des candidates qui étaient sur ma liste, on était dans certains quartiers de Bruxelles où je leur disais demain vous mettez des pantalons parce qu'on va dans tel quartier. Et j'avais le sentiment de les protéger et de, de jouer mon rôle. Et puis quand on a eu ces débats, tout d'un coup, on a euh, nous-mêmes, alors que je suis une grande féministe, tout d'un coup, je réalisais que j'étais moi-même rentrer dans une sorte de fatalité où on considère que euh, ce genre d'attitude est tout à fait normal. Donc d'abord la première chose c'est de dire aux jeunes filles tout ça n'est pas normal. On ne peut pas vous traiter comme ça et vous vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Euh, on n'a pas le droit de commencer à voilà même à vous tripoter, euh, même par humour, quand on est dans un transport en commun. Donc il y a une série de choses déjà dans l'éducation pour faire prendre conscience. Alors quand on a pris conscience que l'acte est inadmissible et qu'il peut être en même temps pénalement répréhensible, il faut aller se plaindre, il faut oser aller porter plainte à la police, ce qui n'est pas toujours évident, ou en tout cas prendre... Un avis, un conseiller qui puisse peut-être venir avec, euh, avec soi, parce que le faire toute seule n'est jamais évidemment facile. Donc, euh, mais il faut oser parce que c'est vraiment défendre ses propres droits, sa propre nature et le respect de soi-même en fait. Ben, le problème c'est là ici c'est pas le problème des, des des femmes ou des jeunes filles qui osent faire la démarche d'aller porter plainte si en plus elles sont mal reçues, si on ne les croit pas, si on leur dit « mais vous avez vu comment vous êtes habillées ?» Ça s'est passé il y a, il y a encore euh, deux, trois mois, ici, à Bruxelles, euh, en été 2020, où euh, trois jeunes filles, euh, en plein été, qui étaient en robe, etc., qui se sont euh, fait embêter par euh, une bande de garçons, qui ont réagi. Et la première chose qu'on leur a dit, au niveau de la police, c'est des remarques par rapport à leurs euh, leur vêtements, enfin, voilà, Donc c'est toute la problématique de la formation, de la sensibilisation des acteurs policiers, judiciaires, du changement de mentalité des garçons, du changement de mentalité des mères qui éduquent leurs enfants et leurs garçons, parce que tous les garçons, tous été élevés par des mères. Donc il y a aussi à un moment une responsabilité de toutes les femmes dans, dans la vision, la, la, la manière dont, dont on, euh, on élève ses enfants, dans l'éducation sexuelle que qu'on qu leur donne. Et en fait, moi, j'étais très, très frappée parce que j'ai un jour ma fille m'a demandé euh, si au fond j'avais préparé mes fils euh, au consentement. Et puis, je, lui ai, je lui ai dit bah non, parce que pour moi ça va tellement de soi que j'ai jamais même pensé à un moment faire une sorte d'éducation de mes fils à, au fait que évidemment une femme doit toujours être consentante, mais ça va tellement de soi je n'en ai même jamais parlé. Et donc en fait ça. Ça vous renvoie parfois peut-être à des erreurs. Alors heureusement, bon, je crois que j'ai des fils bien élevés et euh, voilà qui sont très corrects avec leurs petites copines. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Enfin voilà. Et donc on se rend compte que nous-mêmes, comme mère, on, est, on a peut-être des déficits aussi. Dans, euh, dans la manière dont on élève nos, 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 nos garçons, les, les sujets qu'on aborde ou qu'on n'ose pas aborder avec eux, ou qu'on pense à qui alors qu'ils ne le sont pas nécessairement, ou alors qu'ils le sont à un moment et puis ils peuvent être avec d'autres influences. Et donc, euh, voilà, c'est des responsabilités collectives, mais les femmes les, les portent aussi ces responsabilités-là. Donc, c'est un peu trop facile de faire du féminisme, une guerre des sexes anti-hommes. Je trouve ça absurde. Il y a beaucoup d'hystérie dans, dans le débat féministe qui lui fait perdre beaucoup de, de crédibilité et de légitimité. On est tous responsables. Et, et les femmes le sont aussi parfois, euh, peut-être dans l'éducation qu'elles donnent, <laughs> tout simplement. Donc, si... Euh, une jeune fille ou une femme se rend compte qu'elle fait l'objet d'un comportement sexiste, qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui est inadmissible à son égard, la considérant comme une inférieure euh, en étant contraire à sa dignité, alors soit elle en parle à un avocat qui la conseillera, soit l'accompagnera euh, auprès d'un poste de police, soit elle peut aller directement auprès d'un poste de police pour porter plainte, et puis surtout s'assurer du suivi de sa plainte, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qu'on laisse dormir parfois dans les dans les tiroirs et donc c'est vraiment ça qu'il faut faire dès qu'on sent que c'est inadmissible que ça ne va pas que c'est contraire à son respect de sa dignité voire plus grave bien évidemment euh, il faut tout de suite en parler à la police ou en tout cas en parler à quelqu'un dans son entourage qui va vous accompagner et qui va vous orienter il y a toujours le centre d'égalité pour les hommes et les femmes qui peut aussi recevoir des des, des signalements et toutes les coordonnées sont sur internet voilà